cause de cette période de refroidissement reste énigmatique. À maintes reprises dans l'histoire de la Terre, les forces de la nature ont détruit la vie à la surface du globe. Les volcans n'éjectent pas seulement des cendres dans l'atmosphère, mais aussi des gaz sulfureux. Lors d'éruptions violentes, le nuage de fumée soufrée peut s'élever à plusieurs kilomètres de haut. En altitude, le soufre se combine